Coucou les filles, et si on se faisait un petit soin du dimanche? Alors faites pas attention, je me suis déjà fait un espèce de truc sur les cheveux, j'ai mis mes petites ampoules comme ça là chez Yves Rocher, là, comme je vous dis ça me fait des cheveux en carton, et j'ai mis de l'huile sur mes cheveux, comme ça agit pendant que je fais mon soin du dimanche. Donc du coup mon soin du dimanche c'est mes soins de cheveux et du visage, mais on va surtout parler du visage. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire le soin de chez, enfin un des soins de chez Emma, le Ditzy Mask. Donc c'est ce masque à l'argile à base de minéraux de la mer morte qui nettoie, purifie la peau en profondeur, contribue à l'élimination des impuretés. Après son emploi, la peau retrouve sa fraîcheur, sa douceur et sa pureté. Conseil d'utilisation, nettoyer le visage et le cou à fond avec de l'eau chaude, j'ai déjà fait. Sécher, alors ne les séchez pas, donc je vais réhumidifier mon visage. Ne les séchez pas, appliquez le masque régulièrement du bout des doigts sur la peau mouillée du visage et du cou. Comme vous savez, je ne vais pas faire au cou, sinon je vais encore en avoir de partout, donc je ne fais pas le cou. Donc il risque d'y avoir encore un trop-plein de produits, c'est pas grave, je mettrai généreusement sur le visage. Ensuite, il faut laisser agir pendant 5 minutes et il faut rincer le masque avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer directement avec l'eau froide. Donc, j'ai encore un peu la voix cassée, je m'en excuse. Donc ça, c'est un masque que j'avais donc acheté chez Emma à 1,95 €. Je prends ma petite éponge comme ceci. Tac, pour me réhumidifier un petit peu le visage. Donc j'en avais acheté 5. Je vous snob total. Voilà, je réhumidifie mon visage. Et je mouille tout mon bras en même temps. Voilà, que ça est un petit peu humide. Donc j'en avais acheté un 5 à 1,95 € pour tester. Tu verras, j'avais pris un de chaque. Hein. Je ne sais pas s'ils en font pour les cheveux. J'ai juste vu des masques visage. Allez, s'il te plaît, ouvre-toi. Bon, on va prendre le ciseau. Donc déjà, point négatif, ça ne s'ouvre pas avec les petits trucs qu'ils ont mis là. Tac. Heureusement que j'ai une petite paire de ciseaux accessibles. J'espère que ça ne va pas couper. Alors, de quelle couleur est-ce? Alors, c'est un petit peu la même couleur que l'emballage. C'est un peu couleur bleu ciel, bleu clair. Hop. Au niveau de l'odeur, je rigole parce que j'ai l'impression que ça sent le nettoyant pour les toilettes. Ça sent un peu ça, hein. Ça sent le canard WC. Ça sent le propre, hein, vous me direz. Ça sent le canard WC. Hop. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de sensation de chaud, mais plutôt de frais. L'application, elle est sympa. Ça fait un peu comme une espèce de beurre corporel, mais pour le visage. De beurre visage. Bah ça va, hein, vu que j'en mets de manière assez généreuse sur le visage. Comme vous pouvez le constater. Il n'y en a pas de trop de surplus. Bien évidemment, ça a coupé, comme à chaque fois. Donc j'ai fini d'appliquer, j'ai rincé mes mains. J'étais en train de vous dire que pour l'instant, je ne sens pas de sensation de picotement, ni de chaud. C'est légèrement frais, mais c'est parce que voilà, hein, je pense que c'était dans la salle, donc il faisait pas très très chaud. Il y en a encore un peu, donc effectivement, il y aurait pu y en avoir pour le coup, mais moi j'en mettrais pas. Parce que comme vous le savez, voilà, moi j'aime pas. Quand je fais dans la douche, on est arrivé, je peux mettre sur le cou, mais là quand je vais m'aller me balader là pendant 5 minutes, je vais en avoir deux partout, ça va pas être pratique, c'est chiant. Donc je mets pas. Donc là pour l'instant je sens que ça quand même ça commence à agir un peu. J'arrive pas à parler. Alors soit c'est le son qui sort pas, ou soit c'est ma bouche qui arrive plus à parler. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc je sens que ça commence à un peu agir. C'est une sensation bizarre. J'ai vraiment l'impression que ça nettoie, mais ça me fait pas mal. Ça me picote pas, ça me gratte pas. Ça fait une sensation un peu de fraîcheur. C'est peut-être ça, c'est les minéraux de la mer morte là qui sont en train d'agir et d'absorber tout le moche de ma peau. Donc, je vais laisser agir encore 3-4 minutes. Par contre, effectivement, l'odeur, moi j'ai vraiment l'impression que ça sent le canard WC. Ça sent le propre, mais ça sent le propre des toilettes.
Ça a le couleur, ça a la couleur aussi, hein. Ça a la couleur du propre des toilettes. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un liquide bleu dans mes toilettes. Donc, je vais vous laisser pendant 5 minutes. Je refais un petit bilan, après je recouperai et puis j'irai rincer et puis on refait un bilan. A tout de suite les filles. Recoucou, alors me revoilà après un petit peu plus que 5 minutes, j'ai été préparer la gamelle de Dolly. Donc en fait, ce que je sens que ça agit, c'est effectivement c'est frais, donc j'ai vraiment l'impression peut-être que c'est les minéraux de la mer morte qui font ça. Et il y a aussi le fait que l'argile est en train d'aspirer un petit peu et de dessécher un petit peu, de s'assécher, de durcir en fait. Donc je sens vraiment effectivement que c'est en train d'absorber, de nettoyer, enfin je sens que c'est en train de purifier ma peau. Donc c'est pas désagréable, c'est plutôt très agréable, c'est même embêtant de le laisser que 5 minutes. Moi je l'aurais bien laissé un quart d'heure, 20 minutes ce masque. On va marquer 5 minutes, je vais suivre les recommandations. Hein. On verra une autre fois pour laisser plus longtemps. Donc du coup je vais le rincer et je vous retrouve de suite. Coucou les filles, donc là je me suis rincé le visage, alors faites pas attention, j'ai un petit bouton, ce petit bouton je l'ai depuis ce matin, donc le masque n'a rien pu faire sur ça, parce qu'en fait je suis dans la mauvaise période, point barre. Donc là je viens de le rincer, je sens quand même encore que ma peau est un petit peu fraîche, je la sens toute douce, j'ai vraiment l'impression qu'elle est plus claire, hein, si on efface ce côté là où il y a des petits boutons. Donc vous voyez ma peau elle est un petit peu plus claire, un petit peu plus nette, beaucoup plus douce, ça par contre vous pouvez pas le voir, vous pouvez pas le sentir. L'odeur du canard WC est toujours présente, mais je pense qu'après avec une petite crème hydratante on sentira plus l'odeur du canard WC. Sinon voilà, pour une première utilisation, pour le premier masque, voilà, il y a juste l'odeur qui m'a un peu gênée. J'espère que les autres sentiront meilleur. Au niveau du résultat, je vous dirai si demain j'ai plus de boutons que celui-là. Non, je pense pas, parce qu'aucun masque m'a fait du mal. Et puis là, c'était à l'argile et aux minéraux de la mer morte. Donc je pense pas que ça me fasse du mal plus que ça. Quoique, il y avait moi, les masques Claire's ne m'ont rien fait. Mais certains d'entre vous m'ont dit que les masques de chez Claire's leur donnaient des boutons. Donc bon, moi, ce bouton était déjà existant. Donc s'il est encore là demain, c'est pas de la faute du masque. Mais là en tout cas, premier avis, quand vous regardez vraiment ce côté là, j'ai vraiment l'impression que la peau elle est un petit peu plus nette, un peu plus claire, beaucoup plus douce. Mon teint est un peu plus réveillé, mais l'odeur du canard WC est toujours là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir les autres masques, parce que j'en ai des intéressants, comme par exemple Strawberries, chocolat. Ça peut être sympa aussi, et aux huiles essentielles, et l'autre je sais plus à quoi c'est. À la limite je vais peut-être tous les faire, et puis après je vous écouterai si vous voulez tous les voir, ou si vous voulez en voir que quelques-uns. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain. Bye les filles!